avec le foulard d'une résidente. Par attendre dans le désordre d'une dignité dans un pays où on nous traite comme ça. C'est notre pays. Mais je me dis, un homme. C'est notre pays, c'est notre droit, on est des citoyens. C'est devenu notre quotidien. 2018, le médecin algérien, il se fait pas passer chaque jour. On est en train d'humilier, d'être humilié. On a fait une grève de 6 mois pour la dignité. C'était le premier slogan. Aujourd'hui même, on nous traite comme ça. Aujourd'hui même, on nous a traités de comme ça. Est-ce que vous allez accepter ça? Non! Est-ce que vous allez accepter ça? Non! On ne va pas s'arrêter. On ne va pas s'arrêter parce que c'est notre dignité. Si ça a commencé comme ça, on doit l'arrêter. On va la gagner, notre dignité. On va la gagner. On va la gagner parce que c'est notre dignité. À chaque fois, quand le fini utilisé nous autres de nous enterrer, on fait quoi? On revient plus fort. Et c'est le cas aujourd'hui. Il y avait beaucoup de gens qui étaient fatigués, qui étaient désespérés, c'est normal. C'est le plus grand mouvement de grève pour l'Algérie. Personne n'a fait ça. Des syndicats surprenants n'ont pas fait ça. C'est normal. Bien sûr que ces gens-là, ces résidents-là, ils sont devenus frères, ils sont fatigués. Quand ils verront ce qui s'est passé aujourd'hui, tout le monde va se rassembler. Et on va avoir le droit. On va avoir le droit. Le problème, il est là. Le problème, il est simple. Au-delà des revendications, oubliez les revendications. Vous avez vu comment on a été traité. On dit que vous êtes la crème de cette société-là. Regardez comment on est en train de vous traiter. J'ai vu leurs visages. C'était de la haine. Oui. C'était pas des ordres qu'ils ont exécutés. Avant. C'était de la haine. Oui. Une haine contre nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout donné pour ce pays. On a tout donné pour ce notre pays. Cette haine-là, c'est mes droits, c'est un citoyen algérien. J'ai fait tous mes droits. Où est-ce que ma carrière n'est pas grave? Notamment au pays. Comme tout le monde sait combien le médecin, là, le résident, l'étudiant en médecine dépense pour faire ses études, combien de sacrifices il fait. Donc, aujourd'hui même, on ne va pas s'arrêter. Ils ont fait ça, on va descendre maintenant. Si vous êtes avec moi, je vais descendre, je vais faire mes rapports. On commence. Il y a des résidents qui sont au fil. Il y a des résidents, leur pièce d'identité, leur téléphone portable ont été réquisitionnés. Dès aujourd'hui, dès maintenant, le service minimum sera arrêté sur tout le territoire national. Je suis un peu plus de temps.